Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Il est minuit. Nous sommes lundi 21 août 2017 et merci Seigneur. En tout cas, nous sommes rentrés de Côte d'Ivoire, de la mission en Côte d'Ivoire ce matin et tout s'est bien passé. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce soir. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur, ce soir. Au nom de Yeshua, conduis-nous. Seigneur, nous sommes tes enfants, nous voulons nous soumettre à ton esprit. Conduis-nous. En ton nom, nous prions. Amen. Voilà, mes amis, donc je vais lire rapidement un passage dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 12. Alors toute la multitude garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par leurs moyens au milieu des gentils. Donc Paul, Barnabas et ainsi que d'autres apôtres avaient l'habitude de rendre des comptes aux frères et sœurs. Et c'est pour cela que ce soir, j'ai eu à cœur, malgré la fatigue, j'ai eu à cœur de venir vous rendre des comptes sur la mission en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est biblique, parce que vous êtes nombreux à prier pour nous. Vous êtes nombreux à plier les genoux devant le Seigneur pour que cette vision que Dieu nous a communiquée et nous a transmise soit amenée à bon port. Voilà pourquoi donc nous sommes là ce soir. Et vous êtes nombreux également à nous soutenir financièrement, matériellement, à soutenir plutôt la vision, je dirais, parce que cet argent est utilisé pour aider les pauvres, pour l'achat des locaux, comme vous le constatez, hein, depuis des années, pour l'impression, l'édition des Bibles. Voilà. Donc nous avons l'obligation de vous rendre des comptes. Nous sommes allés en mission, il y a eu plusieurs missionnaires, il y a eu des gens qui sont venus du Gabon, il y a des gens qui sont venus d'Accra, au Ghana, des gens qui sont venus du Togo, qui sont venus, d'autres sont venus du Bénin, d'autres sont venus du Sénégal. Ils ont fait 3 jours, hein, ceux du Sénégal, 3 jours de route. Il y en a qui sont venus de l'Italie et d'autres sont venus de l'Angleterre, en tout cas de pas mal de pays, pour cette mission en Côte d'Ivoire. Et chaque soirée, il y avait à peu près entre 800 et 1000 personnes. Et donc le programme a duré à peu près 6 jours. Nous avons été agréablement surpris. Donc sur le plan doctrinal, l'évangile a été annoncé. Il y a eu plusieurs intervenants. Dieu nous a bénis. Il y a eu beaucoup de conversions. Et il y a eu en tout 177 baptêmes par rapport au programme organisé à Abidjan, hein, de réveil organisé à Abidjan. Et une quinzaine à Vitré. Vitré est un village qui est à peu près à 50 km d'Abidjan. Voilà, donc il y a eu beaucoup de conversions des sorciers également. Vous avez pu voir dans les images, hein, comment Dieu touchait leur cœur et des gens qui renonçaient au péché. Il y a eu beaucoup de guérisons physiques. Un couple est venu me voir, par exemple, pour me témoigner de leur guérison par rapport au sida, avec des preuves, hein, voilà, le Seigneur travaille, le Seigneur a guéri cet homme ainsi que sa femme. Il y a eu aussi des offrandes qui avaient été faites et on ne les a pas gardées pour nous. Et tout est resté sur place là-bas. Il y a eu le premier jour, je crois, 400 et quelques mille, comment dire, francs CFA. Et le deuxième jour d'offrande, il y a eu dans les 300 et quelques. En gros, on a eu à peu près, si je ne me trompe pas, un peu plus de 2000 euros. Et toute cette somme a été distribuée aux pauvres. Il y a eu des veuves. Chacune a eu de quoi commencer un petit commerce. Il y a eu des orphelins. Chacun a eu aussi de quoi commencer un commerce. Il y a eu une femme, jeune femme qui avait comment dire, une tumeur et elle devait se faire opérer. Il lui manquait de l'argent. Donc pareil, avec ses offrandes, on lui a donné de l'argent pour qu'elle aille se faire opérer. On a contacté un frère qui est chirurgien et qui a accepté de l'opérer pour pas grand-chose. Donc vous voyez, avec tous ces dons, eh bien, le Seigneur permet à ce que les gens soient bénis, soient nourris. Il y a une jeune fille qui était folle et que le Seigneur a guérie. Elle était mal habillée, donc elle avait des vêtements très sales. Et avec ses offrandes, on a pu lui acheter des vêtements neufs. Voilà. Donc voilà en gros ce que le Seigneur a fait. On a été grandement bénis, soutenus, nourris par les frères et sœurs de Côte d'Ivoire que je tenais à saluer ce soir, à leur dire merci, à l'équipe. Il y en a qui ont dormi sur place pour nourrir, préparer à manger. C'était magnifique, c'était glorieux. On a vu des frères et sœurs, malgré leurs souffrances et leurs combats, motivés pour encourager les missionnaires. On a vu des missionnaires, en tout cas unis,
travaillant pour l'avancement de l'œuvre du Père. Merci, il y en a qui sont venus de Belgique, que j'allais oublier aussi. Donc je tenais à saluer d'ailleurs, parce qu'il y a eu aussi des frères là-bas qui ont soutenu pour que l'œuvre puisse prospérer dans les mains du Seigneur. Voilà, donc en tout cas, que le Seigneur soit béni, mes amis. Et là, je suis revenu ce matin, donc lundi 21, ce matin, un peu fatigué physiquement, mais spirituellement encouragé. Et merci en tout cas à vous tous qui avez prié, qui avez soutenu financièrement pour que cette mission ait lieu. Et merci également pour tous ces soutiens que je vois. Je suis rentré me faire un compte rendu, David notamment, qui s'occupe des finances de TV des Vies, de la trésorerie, qui me dit comment vous êtes nombreux à soutenir, à envoyer des dons pour l'achat des locaux du 26 pour le centre de formation d'Idasco. Et donc à l'heure actuelle, par exemple, il ne reste plus que 16 500 euros. Et donc je crois que on va les avoir avant même le 15 septembre, parce que nous allons signer le 30 septembre. Et ces locaux, ce sont vos locaux à vous également. Donc voilà, le Seigneur travaille, mes amis, et l'œuvre du Seigneur avance. Il y a eu plus de 20 pasteurs qui sont venus, qui ont accepté le retour à la parole, qui ont renoncé à la dîme, qui ont renoncé aux offrandes inventées par les hommes dans le but de dépouiller les chrétiens, qui ont renoncé à l'adultère, à toutes sortes de pratiques liées à la fonction pastorale selon les hommes. Et ils ont renoncé à tout ça. Ils sont beaucoup combattus par leur fédération, mais ils ont quitté, hein, cette association des faux pasteurs pour servir le Seigneur, simplement pour servir le peuple du Seigneur. Donc il y a eu beaucoup de choses, mes amis. Vous allez voir les images, hein, dans les jours à venir. Pour finir, vous savez qu'à l'origine, on devrait avoir une veillée ce samedi. Et donc ça a été mis vendredi. Hein, ça a été, comment dire, avancé à vendredi. Hein, on a vu qu'il y avait des jeunes qui ne pouvaient pas véritablement venir aussi à la veillée, parce que voilà, il y a plusieurs raisons, hein, des parents qui ne veulent pas forcément laisser leurs enfants aller à des nuits comme ça, partaient toute la nuit quelque part. Et donc on a préféré mettre ça à samedi, à partir de 14 h, une réunion de réveil ouverte à tout le monde. Par contre, ceux qui avaient déjà pris les dispositions pour la veillée de vendredi, donc ce vendredi 25, et qui avaient déjà pris leur billet, comme on a pu le voir, hein, sur nos sites, des gens qui ont envoyé des messages pour disant qu'ils avaient déjà pris leur billet pour être là ce vendredi, pour la veillée. Il n'y a pas de souci, vous pouvez venir vendredi. Il y aura, à partir de 20 h, une équipe qui sera là. On va prier, hein, jusqu'à ce que ça nous arrête. On va prier pour la France, pour les nations, pour Israël, pour nos vies. On va intercéder, hein, on va intercéder, chacun va être dans son coin pour intercéder tous ensemble, unis dans le Seigneur. Et jusqu'à peut-être 22 h 30, 23 h, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc on va prier ce vendredi. Mais par contre, samedi, il y aura une réunion ouverte à tout le monde. Et quand Dieu permettra, il y aura une veillée avec tout le monde, avec la jeunesse, ça, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, merci pour votre compréhension, hein, merci de votre compréhension, parce que vous savez que nous voulons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Et merci, parce que vous êtes malléables, nous sommes malléables. Si le Seigneur nous dit de changer de direction, ben, on obéit. Il n'y a pas de problème. Donc, que le Seigneur soit béni. En tout cas, un grand merci à notre Père, à notre Seigneur Yeshua, et à l'équipe de TV de Vie pour votre soutien, pour votre mobilisation, pour votre sollicitude. Merci en tout cas à toute la Côte d'Ivoire, aux autorités ivoiriennes qui nous ont accueillis. Merci en tout cas aux frères, notamment un couple en Côte d'Ivoire dont je tairai aussi le nom, un frère ainsi que son épouse qui travaille d'arrache-pied pour l'avancement de l'œuvre là-bas. Ce frère soutient beaucoup de couples qui sont touchés par le message, qui voulaient se marier, mais qui n'avaient pas des moyens pour faire des démarches administratives. Et ce frère vraiment a été touché par le Seigneur pour appeler des autorités qu'il connaît pour aider ces jeunes couples, ces jeunes frères, ces jeunes sœurs. Que Dieu soit béni, mes amis. Donc, je vous donne rendez-vous demain soir à 20 h 30 pour votre émission, la dernière trompette. On va donner d'autres détails. Que Dieu soit glorifié. À bientôt. Au revoir.